amis, c'est Mustang et on se retrouve pour la suite de Darksider 2, l'aventure suivie avec Judicator, et on va essayer de lui retrouver ces deux âmes errantes manquantes. C'est parti. Rappelez-vous, c'était un peu barbant en ce moment. Je comprends ceux qui lâchent le let's play, je comprends complètement, même moi ça commence à devenir un petit peu répétitif cette partie du jeu. Ils auraient dû mieux fait de... qu'on trouve les trois soldats directs et qu'ensuite on passe une autre zone. Ça aurait été plus sympa je trouve, parce que là on doit souvent rechoper des trucs. Et je vais me faire défoncer, je vais me faire attaquer. Ok. Hop. Pas assez de vie, j'ai décidément pas assez de potions. Je meurs trop souvent à mon goût. Allez hop, c'est parti. Je peux pas passer. Non, on peut pas passer. C'est chiant. Hop. Sérieux, ils sont sérieux dans la difficulté là. Alors, lance bestiale, bien sûr que j'équipe. Encore heureux que tu me files une arme parce que je suis en dedans. Ok, ça on prend aussi. Là, on n'a pas de clé, du coup, faut aller par ici. Vérifie qu'il n'y a rien derrière.
Et c'est parti. Comme si les chiens ça suffisait pas, les gros barbares derrière, là ils nous foutent un mini boss en plus. À votre service. Alors va là-bas toi. Va là-bas, va là-bas. Je vous remets de la poussière. Ouais, va là-bas. À vos ordres. Je pense qu'il va falloir que je cours. Ok, bah c'est parti. S'il veut bien courir plus haut. Allez hop, on recommence. Hop. On prend ça. Ah, une potion, ça c'est bon ça, ça c'est bon ça. Moins de défense, mais plus de force. Allez, on l'équipe. On l'équipe. Et ouais, d'accord. Après, il va falloir que je m'accroche. Du coup, hop. Hop. Et voilà. Ensuite, donc par ici, il y a un truc. Là, il y a une page du livre des morts. Nickel chrome. Nickel. Donc là, je saute. Hop, on grimpe. J'ai failli me faire avoir, là ça m'aurait ramené au début. Ok, on accepte ça. On actionne ça et ça a activé quoi? Activer la porte là-bas, mais ça active un autre truc. Ah ouais, ok, je vois ce que c'est. Il y a un coffre là-bas, ça doit être ça. Non. Ok, c'est un truc ici. Un truc ici pour pouvoir grimper là et aller au coffre. Ok, donc faut revenir. Faut revenir sur ses pas. Ok, j'ai pigé, c'est pour ça qu'il y avait le trou en fait. C'est exprès pour aller choper le coffre. Ouais, en plus, ça a ouvert la cabine qui est ici. Là. Hop, une relique planquée juste en dessous. C'est des bâtards quand même. Une relique planquée juste en dessous. Hop. Ah, c'est un nouveau coffre. Alors, brassard d'assassin. Je prends, potion, je prends aussi. Je prends. Cool. Merde. Hop. Voilà. Et on peut revenir ici direct. Ça, c'est good. Donc ensuite, logiquement, on va arriver à la deuxième âme. Et cette fois-ci, ça devrait être plus simple puisque je devrais avoir ma forme de cavalier, je pense. Mes potions, les enfoirés. Un petit dernier qui s'était pas retrouvé. Hop. Et on arrive dans encore dans une sorte de prison. Donc, ouais, ça va venir ici.
avec un coffre ici, un autre coffre là-bas. Hop, ça on prend. Hop, on va te calmer tout de suite. J'aime pas du tout les lancers. C'est rébarbatif, mais là par contre c'est un super truc. Équipé. Ça c'est bon ça. Ça c'est bon là, ça doit être une clé. Clé squelette, ok. En fait tout ça c'était pour une clé. Tout ça c'était pour une clé et on revient ici. On peut pas descendre. C'est un peu chier de faire refaire tout le tour en fait. Attends, on est obligé de refaire tout le tour. On est obligé de refaire tout le tour. Bon ben, c'est parti. Là, ici, on a juste à descendre. Hop, on se casse. Et on va ouvrir la porte direct. On s'en fout de eux. Je vous affronte pas. Je me casse et je me casse. Hop. Allez, je vous ignore. En dessous, on récupère ça. Ça. Oh, genre. Putain. Je me casse. D'accord, j'étais en train de me dire merde, j'ai raté l'escalier, mais en fait, pas du tout. Non! Ok, tout est à refaire. Par contre, là-bas, il y a l'air d'avoir un truc. Ouais. Une page du livre des morts. Je l'ai. Non. Oui. Oh. Si ça c'est pas du skill. Hop. Et voilà. Comme ça. Non. On va faire pas deux fois la même erreur. On chope l'âme. Oh là. Je vais souffrir. Tu ne peux pas gagner. Ok, je me suis fait défoncer.
je fais que crever en ce moment. Et par contre, on va reprendre ça parce que... C'est pas bon. D'ailleurs, on va mettre les points de compétence en fait. Elgis renvoie une fraction des dégâts. Hop, on va améliorer. Oh, mais il y a d'autres trucs. Goliath enragé. En plus de protéger DS, Aegis renforce ses chances de porter des coups critiques magiques. Survoltage. Des traits de fou jaillissent pour frapper les ennemis proches de Death quand Aegis est active. Ah, Aegis est active. Bénédiction. Les corbeaux de Death restaurent sa santé en massacrant ses ennemis. Accroît la force de Death pendant quelques instants. On va faire ça. Renforce les chances de coups critiques de Death. Hop, on va foutre ça à fond. Déjà. Ouais. On va prendre le marteau. Hop. Et let's go. De la thune. Et par contre, il y a un coffre. Hop, on va pas tomber. Est-ce que quelqu'un voit un coffre? Donc là, apparemment, c'est bon. Peut-être avoir besoin d'être avec ça. Apparemment, il y a un coffre juste ici. D'accord, c'est peut-être juste en dessous. Ouais, c'est ça, c'est juste en dessous. Ouh, décidément, c'est de plus en plus chaud. Là, on peut sauter dans l'eau. Allez hop, on va se dépêcher de revoir notre pote. Et c'est parti pour aller trouver la dernière âme dans le prochain épisode. Décidément, ça va être un épisode. Le jugement est proche. Ces humains, toujours si effrayés. Regardez votre vie en face. Ok, en plus, c'était le même truc pour chaque âme.
Et c'est parti pour trouver la dernière arme dans le prochain épisode, les amis. C'est vrai que ça commence à être très barbatif là, mais bon, je sais très bien qu'une fois qu'on aura trouvé les trois cavaliers, qu'on aura recruté ces trois branleurs là, ça ira mieux. Donc moi je vous dis à très bientôt pour la dernière âme. D'ici là, portez-vous bien et peace tout le monde.